Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment aller sortir votre carte du ciel. Vous pouvez aller sur mon site mademoiselleliliastro.ca ou .com et vous allez dans la section « Vos planètes ». Et en arrivant ici, vous voyez que vous pouvez créer un thème par défaut, c'est ce qui va être indiqué. Donc, on va mettre mon nom, Lily-Anne Dubois. Moi, je suis née le 12 janvier 1964. Et là, j'écris mon heure de naissance. C'est super important d'avoir votre heure de naissance pour pouvoir avoir votre carte du ciel. En fait, pour avoir le bon ascendant. Ça, vous allez le comprendre un peu plus tard. Donc, je suis née à 3h53. Et ici, j'ai juste à écrire Montréal. Le logiciel va m'offrir plusieurs choix de Montréal. Je clique sur Montréal, Québec. Et je fais OK. Donc, automatiquement, le logiciel va vous montrer vos planètes sont dans quel signe. Fait qu'ici, on voit que j'ai le soleil dans le signe du Capricorne à 21 degrés. Pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais vous allez comprendre plus tard. J'ai la lune en Sagittaire à 23 degrés. Et là, il va énumérer toutes mes planètes sont dans quel signe. Ensuite, quand vous voyez Placidus ici, c'est les maisons. Donc, mon ascendant, l'ascendant c'est la maison 1, commence à 0 degré 37 minutes dans le signe du Sagittaire. Ma maison 2 commence en Capricorne à 2 degrés. Et ainsi de suite pour mes 12 maisons. Ma maison 12 commence en Scorpion. Alors après, plus bas, on voit que j'ai le soleil dans la maison 2. J'ai la lune dans la maison 1, qui est l'ascendant. J'ai Mercure dans la maison 2. Fait que ça ici, il va vous donner les autres d'autres facteurs astrologiques dont on peut tenir compte, comme par exemple Chiron, l'astéroïde Cérès, Pallas et Juno, Vesta, que moi, j'utilise pas vraiment, personnellement, mais bon, c'est bon de savoir son où la part de fortune, elle est où, le nœud sud, qui est en Capricorne, à 11 degrés. Donc, ça ici, ce que j'aime avec mon site, c'est que vous l'avez écrit noir sur blanc. Vous n'avez pas besoin de déchiffrer rien, là, c'est pas compliqué, vous savez que, puis vous pouvez prendre ça en note, OK? Bon, mettons quelqu'un a le soleil en Capricorne à 21 degrés, vous pouvez l'écrire sur une feuille ou imprimer ça, faire une capture d'écran. Là, ici, vous l'avez écrit. Les planètes en signe. Ensuite, les maisons dans quel signe. Ils commencent sur quel degré vos maisons dans quel signe. Ensuite, vos planètes sont dans quelle maison. Ensuite, d'autres facteurs astrologiques sont dans quel signe. OK? Ça, c'est la première chose à faire pour sortir votre carte du ciel. Vous allez sur mon site et vous créez votre thème. Ensuite, moi, personnellement, je trouve que le graphique de carte du ciel de mon site, il n'est pas super beau. J'ai essayé de trouver autant comme autant quelque chose de mieux, là, mais bon. Donc, moi, ce que je fais, en fait, je le fais depuis toujours, là, depuis que j'ai commencé l'astrologie, mon œil s'est habitué au graphisme de astro.com. Donc, vous allez tout simplement taper astro.com. Vous allez arriver sur cette page-ci. Si vous n'avez pas de compte, là, ça a l'air de ça. Fait que tout de suite, vous allez vous mettre en français. OK? Et là, vous allez chercher dans la section horoscope. Vous voulez créer votre carte du ciel. Alors, dans Horoscope gratuit, il y a tout plein de choses, mais vous allez dans la section carte du ciel et ascendant. Donc, on considère que vous êtes un utilisateur invité, pour commencer. Ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir rentrer vos données. Même chose. Donc, moi, je suis née le 12 janvier 1964 à 3h53 du matin au Canada. Je suis née à Verdun, je suis née à Montréal. Donc, même chose, Montréal, je clique dessus, je fais continuer et voilà, j'ai ma
carte du ciel. Donc ça ici, c'est les toutes premières étapes pour aller chercher votre carte du ciel. Alors pour commencer, quand vous avez une carte du ciel devant les yeux et que vous ne connaissez pas ça du tout, c'est sûr que ça peut être un peu perturbant. Surtout au début, parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on voit, c'est du grand n'importe quoi. Là. Ça veut rien dire pour nous ces signes-là, ça veut rien dire pour nous les lignes, tout ça, c'est quoi ça? Alors, on va y aller tranquillement, pas vite. On va décortiquer ce qu'on voit dans l'image. Premièrement, dans toutes les cartes du ciel, vous allez avoir le nom de la personne à qui appartient le thème avec sa date d'anniversaire, son lieu de naissance. Okay? Ça, c'est de même pour tout le monde. Ce qu'on a présentement, c'est une carte natale. On pourra avoir plein d'autres choses. Pour l'instant, c'est une carte natale. Et la méthode, c'est la méthode du graphisme de astro.com que j'ai choisi. C'est la méthode de base. Là, la manière dont la carte sort, c'est leur truc de base. Et Placide, c'est le type de maison. Pour l'instant, vous n'avez vraiment pas besoin de savoir c'est quoi. Tout le temps, vous avez un dessin. OK? Et à côté, vous allez avoir des petites boîtes d'explications. Là, ici, ça me dit que mon soleil, il est à 21 degrés dans le signe du Capricorne. Si vous vous rappelez, c'est exactement ce qu'on a vu sur mon site web, mais écrit en lettres, soit plus longue. Donc ici, c'est la Lune qui est à 23 degrés en Sagittaire. Mercure qui est à 5 degrés en Capricorne. Fait que quand on ne connaît pas nos signes trop, on ne sait peut-être pas que ça, c'est Verseau et ça, c'est Vierge, tu sais. Donc, c'est plus simple au début d'aller sur mon site puis de prendre en note nos trucs. Donc là, ici, dans ce petit encadré, ce que j'ai, c'est mes planètes en signe. Là, ici, d'où je pense la raison très importante d'aller sur mon site avant, c'est que c'est les maisons. Mais là, ici, c'est vraiment expliqué de façon excessivement succincte. Sont pas toutes là parce que, par défaut, ils pensent qu'on comprend que chaque maison est opposée à une autre. J'y arrive plus tard. Là, ici, c'est les fameux aspects. Quand on voit des petits triangles, des petits carrés comme ça, là, c'est les aspects qui existent entre les planètes. Ça aussi, je vais tout vous expliquer ça. Et ça, ici, c'est les modes et les éléments. Ça aussi, éventuellement, vous allez tout comprendre ça, mais pour l'instant, c'est pas important ce que les modes et les éléments puis les aspects pour l'instant parce que ce que je veux que vous appreniez le plus vite possible, c'est de savoir ce que ce rond-là veut dire. Alors, si on le regarde attentivement, on va commencer par les signes, OK? Ça ici, là, c'est les 12 signes du zodiaque. La roue du zodiaque commence par le bélier. C'est le premier signe du zodiaque. Mais tu sais, dans un dessin de carte du ciel, là, ce rond-là, là, imaginez, là, il peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout le temps. Puis il n'y a pas personne qui va avoir le bélier au même endroit. Ça va dépendre de l'ascendant. Vous allez comprendre ça aussi plus tard. Donc, sachez que la roue du zodiaque, elle a un ordre immuable. Le bélier, c'est le premier signe. Il commence ici, il finit là. Le taureau commence ici, il finit là. Le gémeau commence ici, finit là. Ça, c'est le cancer. Ça, c'est le lion. La vierge. La balance. Le scorpion. Le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Ça, c'est la première chose que vous devez apprendre. Essayez de vous rappeler
l'ordre des... En fait, peut-être... L'apprendre dans l'ordre, c'est que ça va être plus simple. On commence à compter par 1, puis on va jusqu'à 12. Bien, on commence avec le bélier, puis on va jusqu'au poisson. Tu sais, la roue du zodiaque, là, c'est bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Fait que ce que je vous encourage à faire, premièrement, tout de suite, c'est de prendre une feuille de papier, OK? Puis, vous regardez ça ici, là, ce petit dessin-là comme ça, vous le refaites sur une feuille de papier, puis vous écrivez à côté « Bélier ». Ça, là, c'est, vous allez tellement me remercier après, parce que vous allez pouvoir prendre n'importe quel logiciel, puis vous allez vous reconnaître après, OK? Fait que faites ce petit dessin-là comme vous pouvez, là, c'est pas grave, c'est pas pareil tout à fait, puis écrivez « Bélier ». Ensuite, faites un petit rond avec une petite corne, écrivez « Taureau ». Ici, ça c'est comme deux lignes droites avec deux lignes courbes, « Gémeaux ». Attention, ça ressemble à « Poisson », mais c'est « Gémeaux ». Vous allez voir, le poisson, il est ici, il y a une ligne en plein milieu. Ensuite, essayez de dessiner le cancer, il n'est pas facile, ça ressemble à 69, « Cancer ». Faites une petite curve comme ça, vous avez le lion, la vierge. Fait que vous allez me faire ça sur une feuille, vous pratiquez. Premièrement, à apprendre par cœur, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Là, vous faites ça. Vous écrivez ça sur une feuille, vous apprenez vos planètes, vos signes dans l'ordre. Et là, ben, vous pouvez demander à quelqu'un, pointe-moi un signe pour le fun. Si je dis ça, c'est quoi? Balance. Ça, c'est quoi? Capricorne. Ça, c'est quoi? Gémeaux. Ça, c'est quoi? Lion. Ça, c'est quoi? Verseau. Ça, bélier. Ça, scorpion. Ça, taureau. Je pense que je les ai toutes faites. Fait que comme ça, vous allez savoir. Ah, tiens, c'est vrai, bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Puis cancer, c'est le quatrième signe du zodiaque. Puis balance, c'est le septième signe du zodiaque. Vous allez le savoir par cœur. Donc, c'est la première chose à savoir. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Alors, si vous connaissez bien vos glyphes, c'est comme ça que ça s'appelle, les petits dessins qui représentent les signes, vous n'allez pas être perdu par rapport à n'importe quel graphique de carte du ciel. Donc, ce qu'on a regardé, ce qu'on a vu, c'est ce type de graphisme-là qui est astro.com. Si on retourne dans mon site pour le fun, me revoici de nouveau. Mais là, vous voyez, c'est pas du tout le même dessin. Ça se peut que votre œil se cherche tout partout, mais pour l'instant, on se concentre sur l'intérieur du cercle. Regardez, c'est les mêmes petits dessins. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. OK? Vous l'avez appris par cœur. Vous savez que, ah, ça, l'espèce de M, c'est le signe de la Vierge. Ah, ça, l'espèce de 69, ah, c'est le cancer. Regardez, un autre site qui s'appelle Astrothème. Même chose, on n'a pas en tout le même genre de dessin, mais pas du tout, du tout. Par contre, on a encore la roue du zodiaque. Même chose, la flèche, c'est le Sagittaire. Ici, en haut, le M, c'est le signe de la Vierge. Le 69, le signe du cancer. L'espèce de petit rond avec la corne ici en haut, c'est notre taureau. Verseau, c'est nos vagues. Et encore une fois, un autre genre de graphisme. Tu vois, une autre affaire complètement différente. Mais, qu'est-ce qu'on a? Notre roue du zodiaque. Toujours la même chose. Là, vous allez remarquer que comme c'est mon thème astral à moi, ben la flèche va toujours être à gauche au milieu ici parce que cette ligne-là ici détermine l'ascendant. Moi, mon ascendant, là, tu vois-tu la ligne ici, là? Tout le temps, dans toutes les cartes du ciel, la ligne à gauche, c'est l'ascendant. Mon ascendant commence à 0 degré. Fait que ça ici, c'est le début du signe.
Le zodiaque, là, ça va toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comme c'est le Sagittaire qui est à l'ascendant pour moi, c'est normal qu'il soit toujours à gauche dans tous les dessins qu'on voit. OK? Donc, ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Et maintenant, vous comprenez que peu importe, quelqu'un vous présente son téléphone avec une application, vous dit dans quel signe est-ce que j'ai ma Vénus, bientôt, vous allez être capable de le dire parce que vous allez être habitué de repérer les signes, vous allez les savoir par cœur, puis vous allez connaître les glyphes par cœur. OK? Ça, c'est la première étape. Alors, maintenant, on va regarder le cœur du thème, c'est-à-dire les planètes. Donc, comme vous pouvez voir, on a la roue du zodiaque. Maintenant, vous connaissez vos signes. Mais vous avez dans votre carte du ciel de naissance des planètes qui sont dans un signe. Alors, on va faire la même chose avec les planètes. C'est super important de les repérer d'un coup d'œil. OK? Puis là, je vais vous les nommer. Je vais vous montrer laquelle est laquelle, puis vous allez avoir aussi, bien sûr, un petit dessin sur lequel vous pouvez vous baser pour vous pratiquer à dessiner vos propres glyphes de planète. La première, c'est le soleil. C'est toujours la plus importante de toutes. En fait, le cœur du thème, c'est le soleil. Il va représenter votre essence profonde, votre idéal de réalisation, et c'est un rond avec un point dans le milieu. Donc, si vous regardez ici, vous voyez la portion du Capricorne, OK? Tous les signes, en passant, commencent à 0 degré et finissent à 30 degrés. C'est pour ça ici qu'on voit le chiffre 29 à côté de mon petit Mars. Parce qu'il est à la toute fin du signe. Mais ça, on va y arriver plus tard. Donc, le soleil, c'est le rond avec le point dans le milieu. Si vous dites où le soleil dans la carte du ciel, vous cherchez le rond avec le point dans le milieu. La lune, ben, est facile à reconnaître, c'est la lune. C'est un petit quartier de lune. Ensuite, on a la planète Mercure, qui a comme des petites antennes pour aller capter les choses. Mercure qui représente la communication. La lune qui représente les émotions. Après, on a Vénus. Souvent, on connaît Vénus parce qu'on voit souvent Vénus et Mars. Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. On se rappelle de ce livre. Il y avait les glyphes directement sur la page couverture. Alors, Vénus, c'est le petit cercle avec une croix en dessous. Mars, c'est le petit cercle avec la petite croix dans les airs, la petite flèche dans les airs. Après, on a Jupiter, ici. Donc, Vénus, c'est la planète de l'amour. Mars, c'est la planète de l'action. Jupiter va représenter la croissance et l'expansion. Après, on a Saturne qui représente la discipline. Après, on a Uranus qui représente le non-conformisme et l'originalité. Après, on a Neptune, la spiritualité. Et Pluton, le pouvoir personnel, la transformation. Pluton peut être représenté avec un P comme ça, mais il y a aussi une autre forme, là, vous allez voir plus tard dans une autre diapositive. Une autre page de mon PowerPoint. Là, vous voyez qu'il y a des choses que je n'ai pas nommées. Il y a ici Chiron, l'astéroïde qui représente où est-ce qu'on a une blessure. C'est facile, il y a un K, mais ça s'écrit C-H-I-R-O-N. Et là, ici, on a le nœud nord, avec les deux petites boules en bas. Par défaut, le nœud sud, il est rarement imprimé, mais il va être exactement à la même place dans le signe opposé dans toutes les cartes. Donc, on recommence. Soleil, Lune, Mercure, Vénus,
là, je les nomme dans l'ordre, OK? Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron, nœud nord, 11 degrés Cancer. Automatiquement, le nœud sud va être dans le signe opposé. Il n'est pas inscrit, mais il va être à 11 degrés Capricorne. Donc, laissez votre œil s'habituer à ça parce que, regardez bien, on va aller voir les autres types de dessins pour le fun. Encore là, on fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai, je reconnais mes signes, parfait. » Mais là, on voit bien que les planètes ne sont pas à l'intérieur, sont à l'extérieur du thème. Mais elles sont là pareil. Le rond avec le point dans le milieu. Soleil. Lune. Mercure. Vénus. Mars. Jupiter. Saturne. Uranus. Neptune. Pluton. Chiron est-il là? Mais le met pas, tu vois. Le ciel ne le met pas. Et le nœud nord qui est ici. On va le voir sur Astrothème. Eux autres, je trouve, par exemple, Astrothème, ils ont des beaux dessins de planètes. Regardez si c'est beau, c'est coloré, c'est clair. Mais là, ici, il y a toujours une surabondance d'informations. Ils mettent tous les astéroïdes par défaut, les petites planètes en gris, là, ici, là. Mais c'est la même chose. Fait que quand vous allez savoir, là, OK, le soleil, c'est le rond avec le point dans le milieu. La lune, ben c'est le quartier de lune. Tu vois ici, Pluton, c'est comme ça qu'il est dessiné. Moi, c'est un P dans mon truc, dans mon astro.com. Lui ici, c'est la petite boule ici avec le demi-cercle et la croix. Pluton est souvent représenté comme ça aussi. On reconnaît Jupiter ici. Et enfin, si on regarde un autre type de graphisme, on a encore la même chose, les planètes. Fait que là, vous savez, ça, c'est la roue du zodiaque. Parfait, vous le savez maintenant. Et vous allez chercher les planètes. Laissez-vous pas distraire avec ce que vous ne savez pas c'est quoi. Là. VX, tu ne sais pas c'est quoi, tu ne le regardes pas. Ça ici, c'est la part de fortune. Tu ne regardes pas ça. Ça, c'est la lune noire. Tu ne regardes pas ça. Tu vas te concentrer sur ce que tu connais. Soleil. Lune. Mercure. Vénus. Mars. Jupiter. Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et voyez-vous ici, il me l'a mis le nœud sud, lui. Fait qu'il n'y a pas une place que c'est pareil. Fait que c'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment de connaître vos glyphes, de savoir c'est quoi le nom de vos planètes. Wow. Moi, tu vois, quand je suis tellement habituée, j'ai commencé, je ne sais pas en quelle année, là, avec astro.com, là, ça fait des années. Moi, mon repère, c'est ça ici. Mais si vous commencez avec, je ne sais pas, moi, le site d'Astrothème, vos yeux vont s'habituer à ce genre de carte du ciel-là. Si vous commencez avec AstroSeek, vos yeux vont s'habituer à ça, là. Tu sais, c'est chacun sa façon. Mais il en demeure pas moins que les planètes, c'est ça. OK? Fait que voilà pour les planètes. Maintenant, que vous êtes familiarisés avec les signes et les planètes, on va parler des maisons. Ça, c'est vraiment la troisième partie la plus importante d'une carte du ciel. Les maisons, c'est pas compliqué, c'est les petites pointes de tarte que vous voyez ici à l'intérieur de la roue. La roue, elle est immuable, il y a toujours 12 signes. Les 12 signes sont toujours égaux, ils comprennent tous 30 degrés. Tu vois, regarde, le bélier ici commence à zéro. Ça, c'est mon sagittaire. Commence à 0 degré, sagittaire. Ici, c'est 5 degrés, 10, 15, 20, 25. Ça arrête à 29. Ça recommence à 0, capricorne.
5, 10, 15, 20, 25. C'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, une roue du zodiaque, ça comprend 12 signes égaux de 30 degrés. Les maisons, par contre, sont pas toujours égales. En fait, ça va dépendre du système de maison qui est utilisé par l'astrologue. Il existe, je pense, pas loin de, si c'est pas 30 systèmes de façon de faire les maisons. Mais le système le plus couramment utilisé, c'est celui qu'on a devant les yeux présentement, ça s'appelle Placidus. En fait, les maisons vont découper le thème dans le temps. La maison 1, dans une carte du ciel, elle est toujours à gauche, ici, et elle correspond au début de l'ascendant. Voyez-vous le chiffre 1? Ça, c'est la pointe de tarte numéro 1. Le chiffre 2, pointe de tarte numéro 2, maison 2, maison 3, maison 4, OK? Dans tous les thèmes astro, il y a 12 maisons, sauf que sont toujours d'inégales grandeurs, puis c'est personne qui a le même genre de grandeur de maison. Si vous voulez, ça va particulariser votre thème. Il y a moyen d'avoir des maisons égales. Il y a moyen d'avoir des maisons plus grandes, plus petites. Ça va dépendre du système, comme je vous dis, mais le plus simple, c'est quand vous sortez votre carte du ciel, peu importe où vous allez le sortir sur Internet, il va vous le sortir en Placidus. Si on regarde ici, c'est la même chose. Ça, c'est sensiblement le même genre de dessin. Donc, on voit l'ascendant. Début de la maison 1. Maison 1. Tout ça ici, dans cette pointe de tarte-là, c'est la maison 1. Mais voyez-vous que ça dépasse le Sagittaire. La maison 2 commence dans le Capricorne. Elle va s'étendre jusque-là. OK? On vient ici. C'est tellement plus simple. Moi, j'aime tellement AstroDience, astro.com, là, si vous savez. Là. Voyez-vous, ma pointe de tarte 1 commence à 0 degré. Ma pointe de tarte 2 commence à 2 degrés Capricorne. Pas dans le Sagittaire, dans le Capricorne. Et voilà. Ici, on voit que j'ai 3 planètes dans la pointe de tarte numéro 2. J'ai la planète Mercure, le Soleil et Mars. Dans la pointe de tarte numéro 3, j'ai Saturne, Vénus, Chiron. Dans la pointe de tarte numéro 4, j'ai Jupiter. Fait que les planètes, OK, qui sont des fonctions psychologiques, la Lune va dire comment vous réagissez, comment vous vivez vos émotions, vos besoins. Donc, la Lune va être à la fois dans un signe. Ici, on voit qu'elle tombe dans la portion Sagittaire. Puis, elle va être aussi dans une maison. Fait qu'on regarde, la maison 1 commence où? En Sagittaire, parce que la Lune est dans la pointe de tarte numéro 1. Si on regarde Jupiter, OK? On va tout de suite se référer au petit numéro ici. Ah, OK, Jupiter est dans la maison 4. La maison 4, elle commence où? Elle commence en Poissons, à 19 degrés Poissons. Mais Jupiter est en Bélier. Vous comprenez? En premier, Jupiter est en Bélier. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. En deuxième, on voit que Jupiter est dans la pointe de tarte numéro 4. OK? On voit bien que dans la 6, j'ai rien, j'ai pas de planète. On voit que dans la maison 7, j'ai pas de planète. Ça, c'est pas grave. Il y a une façon de savoir comment on peut lier les maisons vides à des planètes, mais ce n'est pas le but ici. Si on regarde sur mon site, là, c'est différent. Les maisons vont être indiquées par des chiffres romains et le début de la maison. Donc ici, le début, c'est pas clair là, parce que la lune noire est directe dessus, là, mais c'est l'ascendant AS. On voit qu'il commence au début Sagittaire. Ensuite, le petit 2 ici, là, ça c'est le début de la maison 2. Fait qu'elle commence ici, la maison 2, puis elle va jusque-là. La maison 3 commence ici, elle va jusque-là. Fait que tout ce qui est compris à l'intérieur des deux chiffres, c'est dans la maison 3. Si on regarde sur AstroThème, eux autres aussi font la même chose.
les planètes sont, les maisons sont comme à l'extérieur. C'est fou. Moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que je suis pas habituée, évidemment, là. Mon œil est pas habitué. Fait qu'on sait que la maison 1 commence ici. La maison 2 commence là. Fait qu'est-ce qui est compris entre les deux chiffres ici, là? Ça va être à l'intérieur de la maison. Fait que si vous vous rappelez au tout début, je vous avais dit, c'est facile, en allant sur mon site, on voit bien les planètes sont où. Tu vois, regarde, on le voit ici, là. Ma lune est dans mon ascendant dans ma maison 1. Là, on sait que Mercure, il va être dans la pointe de tarte numéro 2. On sait que Vénus, elle va être dans ma pointe de tarte numéro 3. Pensez aux maisons, OK, comme étant des pointes de tarte. Puis c'est pour ça que si vous allez sur astro.com et vous sortez votre carte avec astro.com, vous allez le voir tout de suite. C'est super simple. On les voit bien. Pointe de tarte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà! Et 12 maisons. Donc, si je vous dis, OK, dis-moi donc dans quelle maison est situé Pluton? Là, tu vas dire, OK, maison, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est les pointes de tarte. Parfait. Je cherche le P, le Pluton ou l'autre glyphe, là, l'autre façon de dessiner. OK, il est ici, Pluton. Il est dans quelle maison? Ah ben, il est dans la maison 9. Voilà. Pluton dans la maison 9. Là, si je dis, OK, le soleil, il est dans quelle maison? Là, je cherche le soleil. Il est où le soleil? Où le soleil? Ah oui, c'est le rond avec le petit point. Parfait. Il est dans quelle pointe de tarte? Ah, dans la pointe de tarte numéro 2. Alors, voilà les maisons. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai sorti un autre thème astral, juste pour que votre œil comprenne que ça peut être bien différent le look. Il n'y aura jamais une carte ciel pareille. C'est important pour vous de vous familiariser avec la vôtre. Alors, si vous regardez, c'est la même chose. On a la roue du zodiaque, mais comme l'ascendant est toujours à gauche ici, tout le temps, OK? L'ascendant tombe dans un signe. Pour cette personne-là, le signe, c'est quoi? C'est quoi les petites vagues? C'est le Verseau. Alors, on sait que cette personne est ascendant Verseau, que sa pointe de tarte numéro 1 commence ici et que tout ça ici, c'est sa maison 1. Tout ça, c'est sa maison 2. Et là, donc, les signes sont toujours dans le même ordre. C'est juste que le bélier, il est pas à la même place. Il est rendu ici. Fait qu'on a encore notre bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. C'est l'ordre immuable de la roue du zodiaque. On voit que les signes sont toujours de grandeur égale. On voit très bien que les maisons sont de grandeur inégale. On voit bien que les planètes sont à l'intérieur de pointes de tarte. Ici, on voit trois planètes dans la maison 11. On voit une planète Mercure dans la maison 10. On voit quatre planètes dans la maison 9. OK? Par contre, nos planètes sont dans un signe. Alors, si on regarde attentivement, vous allez voir tout le temps, il y a un numéro à côté de la planète. Alors ici, Uranus, 3 degrés 45 minutes. Neptune, 10 degrés 47 minutes. On sait tout de suite que la planète ne peut pas être à 47 degrés parce qu'un signe se termine à 29. Saturne, 11 degrés 45. Et Vénus, 20 degrés 54 minutes. Les quatre planètes sont en Capricorne. Les quatre. Mais il y en a trois dans la maison 11
il y en a une dans la maison 12. OK? Même chose ici. On dirait que tout le monde est à la même place. Non. Il y a Mars, 15 degrés Scorpion. Pluton, 15 degrés Scorpion. Lune, 27 degrés Scorpion. Soleil, 5 degrés Sagittaire. Vous voyez, il y a des petites lignes ici, là. On le voit. Les planètes. Eux autres sont collés, sont littéralement embarqués l'une sur l'autre, sont les deux à 15 degrés. Alors, on a quatre planètes dans une même maison, mais on a trois planètes en Scorpion et une en Sagittaire. Et enfin, il y a un phénomène qui perturbe beaucoup de gens quand on parle des maisons, c'est que normalement, OK, une maison va commencer dans un signe, puis il va finir dans l'autre. OK, normalement. Je ne sais pas, je vois l'exemple ici. Ici. Ici, la maison 6, là, elle commence en Cancer. Puis, elle se termine en Lion. Puis, la maison 7 commence en Lion. Puis, normalement, elle se terminerait en Vierge. Mais ici, on a un phénomène qu'on appelle de maison interceptée, de signe intercepté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la maison 1 de la personne commence en Verseau. OK? Mais sa maison 2, elle ne commence pas en Poisson, le signe après. Elle commence en Bélier, l'autre signe après. Ça veut dire que tout le Poisson est inclus dans la maison 1. Si vous avez ça dans votre carte du ciel, c'est que vous avez des signes interceptés. Parce que automatiquement, si la maison 1 comprend un signe intercepté, l'autre maison qui est opposée, la 7, va avoir le signe opposé intercepté. Alors, le signe qui est opposé, ça, c'est le Poisson. Puis, le signe opposé au Poisson, c'est Vierge. Et on voit bien que Vierge est inclus dans toute la pointe de tarte numéro 7. Fait qu'automatiquement, là, vu qu'il y a 12 maisons, s'il y a deux signes qui n'ont pas de pointe dedans, bien, il va y avoir deux signes qui vont avoir deux pointes dedans de maison. Ici, on a la maison 10 qui commence en Sagittaire et elle se termine en Sagittaire aussi. Ça veut dire que la 11, elle commence ici. OK? Fait que la maison 10 commence en Sagittaire, puis la maison 11 commence en Sagittaire. C'est pas plus grave que ça. C'est juste pour que vous compreniez. Quand vous avez votre carte devant les yeux, puis si vous dites, ben là, voyons donc, comment ça, donc, je sais pas, moi, il n'y a pas de pic qui tombe dans mon Poisson ou dans ma Vierge, c'est normal. Ça. C'est à cause du système de maisons utilisé, d'ailleurs. Si on utilisait le système des maisons égales, on n'aurait pas ce problème-là. Mais, quand vous allez sortir votre carte du ciel sur astro.com, c'est comme ça que ça va sortir. Alors, voilà. Je récapitule. On a des planètes qui sont des fonctions psychologiques. Chacune se trouve être dans un signe. Le signe va donner souvent une façon de faire, une manière, une couleur. Et les planètes sont aussi dans une maison, une des 12 points de tarte à l'intérieur de la roue du zodiaque. Voilà! Ceci conclut mon introduction à C'est quoi une carte du ciel? Salut!